Désolé, alors il y a eu un petit problème de live, je sais pas ce qui s'est passé, ça a cut tout seul. Mais bon, voilà, je tenais quand même à montrer la fin du combat PVP. Alors je vais revenir en live, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais bon, donc vous pouvez voir que là, l'ennemi il a été assez bête, vous allez voir pourquoi. Hein. Et en fait, j'ai fait des bêtises, hein, j'ai fait des conneries que j'aurais pu éviter. Honnêtement, je savais qu'il fallait que je vise le Grimmjow. Parce que c'est bien Grimmjow. Attendez. Je regarde. Oui, je crois que c'est le Grimmjow. Hein. J'aurais pu éviter les coups qu'il a fait. Que j'ai fait parce que. Le Grimmjow, pour surtout, se régène en passif. Hein. Et donc voilà, il a été vraiment très bête parce qu'en fait il a vraiment essayé de battre mon King. Il s'est dit à un instant, ouais, si je bats le King, au moins il pourra plus heal, c'est bon, j'ai gagné. Mais il aurait pas pensé que Meliodas, qui était du bon type, aurait eu l'opportunité de le niquer. Déjà, vous allez voir dans la game. J'ai fait une fixette Meliodas Grimmjow hein, et il l'a senti, honnêtement, il l'a très bien senti. Vous allez voir le tour d'après, il va être honnêtement, il va sentir passer le Meliodas, hein, il va vraiment sentir passer. Là déjà, je suis en situation de force, il aurait dû déjà prévoir l'attaque SP, il l'a pas prévu. Il ne l'a pas prévu. Donc, je me heal, et là, il a fait une grosse bêtise, c'est qu'en fait, il a lancé son attaque SP, il sait déjà qu'il va pas niquer les gens. Et je crois que c'est ce tour-là, il lance son attaque SP. Voilà. Il lance son attaque SP alors qu'il sait parfaitement qu'il n'est pas en position de force. Alors, autant attaquer le plus faible. Et il ne le fait pas. Il attaque Ban. Comme si Ban allait changer quelque chose. Autant qu'il attaque une autre ennemie. Même si j'avoue que attaquer le ban serait le plus logique. Mais le ban, honnêtement, ne sert pas à grand chose dans ce combat-là. Parce que. Faut savoir que ban est un rouge. Et là, devant moi, il n'y a que. Des bleus. Il n'y a que des bleus. Donc là, je lui fais passer ce tour-là. Il l'a bien senti. Il se prend l'attaque speed Meliodas. Il est confus. Et là, boum. Voilà, terminé. Grimmjow est mort. Et là, il sait déjà qu'il a perdu. Il va quand même essayer, hein, il va quand même essayer, mais il sait déjà qu'il a perdu. Il le sait déjà. Vous allez voir, il va déjà savoir qu'il a perdu. Même en attaquant le ban, parce qu'il fait une fixette sur ban, il pense qu'il veut niquer ban, en fait, parce que depuis tout à l'heure, c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Il essaye de battre le ban. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, honnêtement, niquer ban n'était pas la meilleure solution. N'était pas la meilleure solution. Et d'abord, j'avais même fait une erreur, vous avez vu, je reset. Et je suis allé sec. Donc je me suis dit, autant heal, comme ça au moins ils niqueront pas le ban. Hein. Parce que quand vous avez une team comme ça, la personne à niquer en priorité, c'est le king. Si vous niquez pas le king, vous savez déjà que vous allez perdre. Vous savez déjà que vos chances de gagner seront minimes. Elles s'abaisseront au fil du temps. Plus king reste sur le terrain, plus vous avez de chances de perdre. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc honnêtement, faire une fixette, c'est d'abord le Meliodas. Le Meliodas vous aidera à vaincre King. Parce que, en fait, le joueur qui sera tout le temps en face de vous, il se dira, bon, la meilleure chose à faire, c'est de niquer King. Si King heal tout le temps, c'est mort, vous allez perdre, parce que King va continuer à heal une étoile. Donc pour ça, il faudrait que vous ayez du vert. Vous ayez vraiment du vert. Fixette sur King. Vous faites tous les tours fixés sur King. Et là, c'est vraiment attaquer. Chaque tour, vous attaquez jusqu'à ce que vous tuez King. Et honnêtement, si vous faites ça, vous avez pas de chance de gagner. Si vous faites ça. Donc la meilleure chose à faire, c'est de mettre deux verts, un bleu. Si dans votre team, vous avez deux verts, un bleu, le King, vous le faites haut la main. Parce que honnêtement, les personnages bleus sont les personnages les plus utilisés. Et voilà, c'est ici qu'on arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous et likez. Allez, peace et even.
is not the event. Peace.